Inspiration, des paroles amicales. Ah. Bah, merci, mec. Oh, Broker Merci, qui part mon sur un fils. quatrième enfant à 23 ans. Oh, la machine. Ah bah, c'est une peine d'Airis, ça, je crois. Ah oui. Ah Pas de doute ouais. là-dessus. There is no doubt, comme Merde. disait Gwen Stefani. Putain, j'allais dire un truc comme ça en plus. J'ai bien fait de fermer ma gueule. Je crois que c'est pas Gwen Stefani, c'est le groupe, mais bref. Oui, c'est No Doubt. Ah bon? Oui, le groupe s'appelle No Doubt. Ah merde. Ouais, Quelle chanson? c'est pour ça. Tant pis. Ouais. Non, c'est Don't Speak, la chanson. Ah ouais, oui, bah No Doubt, Don't Speak, c'est bon là. Na 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 na. Putain, Lady Sarcelle, attends, c'est la petite fille de. Ah, ouais, ça Ah, la folie règne visiblement chez Dargaria. aïe, 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 aïe. Non, il est juste paranoïaque, tout va bien. Desmond Morrison est décédé. Ah, les Dornian salés, c'est bien ça. Ah, t'es réagissé avec les personnages de votre royaume. Attends, 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 c'est qui m'a dit que je pouvais. Les chevaliers peut-être Il s'appelait Doran. C'est le fils. Attends, c'est mon quantième de fils. C'est ton troisième fils? 26 ans? Oui, c'est mon troisième fils de 26 ans. Invité à la garde royale, hop là. Eh ben super. Oh là là. On mérite, hein, on mérite. Ouais, bien sûr, bah attends, on mérite, hein. D'ailleurs, maintenant, si vous avez des enfants, ils sont pas destinés à la reproduction. Donc non, j'imagine. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il a pas d'enfants. C'est fait exprès. Là, on va partir pour la troisième arbre diplomatique. Putain, mais il a quel âge ton perso? En plus, il est jeune, toi, ton perso. Souvent, il est plus jeune que 43 ans, 43 ans. Mais je fais beaucoup de voyages, et du coup, je prends tous les trucs. Mec, il y a un truc intéressant dans le conflant. Hein. Le conflant, oui. Tu vois le territoire de l'Ebief? Oui, là, oui. Bah, regarde à gauche, là. Il y a un tout petit territoire, c'est le mien. Ouais. Ah oui. Oh, sombre friche. Écoutez, je... Laissez-moi renommer ce titre, je ne peux pas. Ça ne viendra pas le seigneurie de sombre friche. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Mais ça, c'est comme un de mes territoires qui est tout proche de chez moi, qui est rentré dans le nord pour des raisons un peu obscures. Oui. Je pense que c'est des alliances de machin. Regarde, lui, là, c'est... L'hippocampe noir. Il est relié à un duché dans ses îles de merde pour remonter dans le nord. Qui, le nord, est lui-même relié à moi. Putain, mais ils sont encore remariés? Qui? Ah, oui. Bah, Maxus. Ah, oui. Putain. T'as eu combien de mecs? Il a pris un barbare en moins, plus. Moins que d'amant. Moins que d'amant. C'est tardive. Je suis au courant avec votre relation avec Dame Pirate et Myria. Ouais. Ah. Ah. C'est qui? C'est qui ce con? C'est un mec qui vient de chez Magnus, ça. S'il refuse, il relève. Mais tout le monde sait que je fais de la lultère déjà. Rien à foutre. Oh, la légende, elle va être belle. Ouais, le niveau de dévotion. Bah, la légende, ça me concerne pas, ça concerne papa. bah, putain, la légende, elle se propage plus vite chez moi que. Ah, putain, merde, oui. Putain, il y a un petit peu chez toi, là. Incroyable. Ouais, bah, c'est... Un petit dirigeant voisin gagne la guerre. Oh. Le guerre. Non, du coup, c'était. Putain, c'est qui m'a relevé? Révélé. J'ai pas retenu son nom pour l'assassiner. Attends, c'est magistrat Silvario. Oh putain, le mec. C'est du comté de baie sanglante. La poucave. Il a pas hésité de se compter la baie sanglante, vite. Putain. Complot à la cour, oui. Non, mais tu es pas il mon cœur. Bon. Baie sanglante, oh, baie sanglante. Baie sanglante. Il l'a retenu, hein. Ah, mais je te le dis. Bah, parce que du coup, moi, ça me met dans un conflit du genre c'est ou c'est moi, tu vois. Donc là, je vois. Mais... Ah, ok, ouais. Pardon, c'est où, mais c'était trop drôle. Je trouvais un titre. Mais... Hein? Sanglante. Hein? Comté de baie sanglante. Sonore, ta position. Silvario, t'es mort. Mort. Waouh. Waouh.
Ah, Ombrecoeur qui pond des enfants. Ah. Aegon, eh ben lui, on va s'appeler pour l'honneur Astarion. Quoi? Je sais. Capitaine Mero vous accuse d'infidélité. C'est original, ça, tiens. Ça m'est jamais arrivé. Ah, parce que ah, c'est le mari de. Ah. Attends, j'avoue, je dis ça, mais. De rien, perso aussi, plutôt bégère. Ouais. Bon, elle a 50 ans, mais. Ah, 50 ma soeur, je ne peux pas nier mes sentiments pour une autre femme. La phrase sent tellement. Ah mais l'odeur de la phrase. Et mon chevalier là qui essaie de pécho des gens là. C'est de pécho ma femme, c'est scandaleux, les gens qui pécho les femmes des autres là. C'est au cachot. Ah le CSC de zinzin quoi. Ah mon amant me. Non mais. Ah Alyssa Thorne. Ouais mais de toute façon. Allez, ma crush d'enfance dégage. Alors, qui c'est que je peux pécho maintenant? Adultère, meurtrier. Ce personnage a également provoqué la mort de quelqu'un. M'a fait preuve de beaucoup de. Un confident, compétiteur, figurant. Voyageur chevronné, combattant redoutable, putain. Putain, le roi, il est stylé, hein. Ah, dit. Pas mal. Bah, non, mais c'est Targaryen. Par contre, t'as. Oula! Nudiste, là. Oh non, mon ami est mort. Oh non. C'était mon. J'ai 17 de compétences d'intrigue, sachant que j'ai moins 3 parce que je suis infirme et que j'ai moins 1 parce que je suis mélancolique. Putain, mais le oui. Monstre. Moi j'ai perdu mon alliance avec le conflant. Oh bon. J'ai perdu moi aussi parce que le dirigeant est décédé malheureusement. Ouais, mais qui était marié pour faire l'alliance là? Bah, je sais plus moi non plus. Il a une sale gueule le nouveau roi. Oula! Si, il va pas tarder à. La lèpre, pardon. Excusez-moi, Mylon. Où est Dornien, le monsieur? Incroyable. Ils se répondent partout. Dornien salé. Je dois tout savoir sur Lady Karen. Oh, j'ai plus d'alliance en plus avec lui, parce qu'il est plus dirigeant. Bah, bravo. Il a ma famille, il est ce con. Ah! Putain, mais ta gueule! Pardon. Bon. Mais non, mais y'a tout qui pop en même temps là, c'est terrible. Tu peux engager un maître. Arrêtez, hein. J'ai obtenu le trait matriarche. Hop là. Tancred, la rose paisible de l'Ubief. Oh. En ce moment, ils se servent pas les mains, puis ils ont dit non à la con. Qui veut tenter d'assassiner Lady Ombrecoeur? Il s'assassine immédiatement. Sérieux? Oui. Y'en a qui veulent faire ça? Mais ça vaut pas le coup. Je peux l'emprisonner. Adultère. Ah. Accusé d'avoir violé la loi somptuaire. Non? Ah oui, c'est pour le. Ouais, non, c'est bon. Calmez-vous. Hein. Ah, Lady Ombrecoeur, je peux la gracier. Soyez grâce. Ouais. Soyez grâce. Votre petit-fils, mon enfant, Tyrell. Je peux choisir un tuteur pour mon petit-fils, Chad Fantaris. Quoi? Il s'appelle comment? Chad. On sent que la coupe mulet est pas loin. Ça aurait été drôle que vu que t'es dans le nord, tu t'appelles tous tes enfants genre Kevin ou des trucs comme ça. Ah, on va rajouter. J'avoue, c'est rigolo. Votre cousine, Betka Varanier. Oh, mais oh, c'est le bouclier, Betka Varanier. Je suis la princesse et je veux une part de ce ragoût. Oula, non. Oula. Non. Un mauvais souvenir, ça. Remember, papa. Ah oui, oui. Ça avait donné le cancer au père. Je lui ai même pas eu un fan. Risque de consanguinité. Moins d'1%. C'est 0%. Matrilénaire pour comme ça repart chez les Targaryen. Hop là. Lui pareil. Eh ben, super. Ses enfants sont à moi.
Bizarre, mec. Il les a achetés. Et le bouclier est mis. Le bouclier est posé. Daenerys Tyrell. Oh là là. Ils font n'importe quoi. Je vais reprendre le contrôle. Ouais. Ah, bien. Alberic a fait une enfant qu'il appelle Ariane. Non, pas Ariane. Votre fils et neveu. Punkeris. Ah, tiens. Et là, oui. 4%. Ouh. Enfant tentacule là. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je tentacule? Ok, l'empereur. Hein? C'est le nom du. C'est l'illicide. L'illicide. Donc. Pas de gaz. Vous pouvez gracier Daelon Pendairis. Oui, je vais gracier. Mon beau-fils, Finlay, accusé ma fille Daenerys d'avoir une liaison avec son amant. C'est un mensonge, bien évidemment. Putain, mais il propose que des gens du... Ah. Tout le monde le sait. Wait. Ah. Les Targaryens adultères. J'entends de l'agitation venant de la chambre des appartements de mon fils Punkeris. Monseigneur, il vient de faire ses premiers pas. Que peuvent-ils faire d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Il sait marcher, c'est bien, parce qu'il peut faire autre chose. Mais il a quel âge? Il est hyper éveillé. Il a 4 ans, mais décision il est hyper éveillé. Disponible. De révéler la véritable parenté. Hein? Sur qui? Non, mais il propose ça, mais sur qui? Vous connaissez le secret de l'existence d'un bâtard royal qui est adulte. Oh non, j'ai envie. Allez. Quoi? Non, mais... Ben... Pas besoin. Vous essayez de me faire taire. Vous voulez pas mettre à mal vos deux meilleurs alliés, le Nord et le et moi. Non mais le problème c'est qu'il précise pas c'est pour qui. Ouais non mais... Pour qui? Bon... Bon... Non parce que tu vois en fait j'ai envie de cliquer pour voir ce que ça fait mais j'ai pas envie de foutre la merde. Allez, on va garder ça pour demain. C'est le nombre de fois que j'ai fait, je vais te dire, tu peux y aller. En vrai. Ok. Non, tu peux faire une sauvegarde par contre, en vrai. Ouais, ça fait longtemps. Bah, ouais. Oh. Oui. Ah, bon. Non. Août. Faire la sauvegarde, août. Le système de sauvegarde est assez étudié là quand on voit les noms. Ouais, mais je vois que c'est surtout. J'ai l'impression que c'est renommé, mais. King Aegon. General Kenobi. Non, King Aegon. C'est cool. Hein. Après, il y a quand même Toast Targaryen solo. C'est pas vraiment un Toast. Hein. Ah bon? Ça se mange pas? Oh. Alors, éviter la véritable parenté. Là, alors, c'est qui? Alors, à chaque fois que je pense à Aegon, je peux m'empêcher de songer. Aegon? Ah. Non, Aegona. Aïe, putain. Ok, c'est pas moi, c'est bon. C'est qui celle-là? C'est qui cette meuf? Ah, merci, roi du conflant et votre lèpre. Sortez de mon château, s'il vous plaît. Waouh! Il est dégoûtant. Il est dégoûtant que j'ai envie de vous assassiner, mais. Le magistrat qui. Est déjà sur la route. Enfin, calmez-vous, mon roi. Sans parler de la grande seigneurie de la Cape de Lyre, seigneur de la Roche Colère. Ah, en fait, j'ai des trucs sur le conflant que je peux revendiquer, là. Mais revendique, bon sang! C'est ouf. Mais c'est où? Faites une guerre. Ce territoire. Mais regardez. Le conflant est des îles vers chez vous. Ah, de Roche Colère, bah c'est celle-là. Bah voilà. T'en fais. Comment ça?
Roche-Colère. Si, la seigneurie de Roche-Colère. Mais si, c'est chez moi, ça. Bah, il y a aussi le grande seigneurie de Saulbois. Non, il y a le Cap de Lyre aussi, que je peux lui voler. Récupérer. Par une opération militaire. C'est pas une invasion, c'est une opération militaire. Mais où le Roche-Colère, du coup? Vous avez hérité de l'éclat du plasma Brin. Oh, il est mort. Oh oui, il est mort. Terrible. Putain, mais il avait 70 ans. Carré, lui. Ouais, ouais, il est mort vieux, le con. Ah, je vais pas tuer des trucs. Non, peut-être pas. Non, c'est pas lui. Ok, mec. Non, mais je sais que j'ai vidé mes poubelles quelque part chez quelqu'un, mais je sais pas qui. Ok. Renommée mensuelle. Ouf. Et c'est quoi éclat? Parce qu'apparemment j'ai hérité d'un truc qui s'appelle éclat. Ça me dit franchement pas quelque chose. Ah ouais, mais je la trouve pas. Roche colère, t'as dit? Ouais, c'est la petite île qui est. Ouais, va falloir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire? Ah. Vous là! Pardon. Ça fait rire cet événement, c'est juste marqué ça en fait. Alors, ah s'emparer de la seigneur de Roche Colère. Ah, je peux déclarer rien. Beau fils, beau scout, agenouillé sur le sol, sale devant faut moi. Faut que j'ai un son sur mon seigneur Lige. Beau fils. Je peux pas déclarer la guerre. C'est qui ce beau fils? Mon beau fils a envie de me ken. Après avoir ken ma fille. Quoi dit, mon beau fils, hein, après avoir ken ma fille, mm-hmm. Qui a 4 gamins, il a envie de m'attendre me ken. Extraordinaire. Il a envie de tuteur de ken. Oh oui. Il y a trop de moutarde dans son butch. Allez. Super mec. Ça super. Pas, c'est pas grave. Super bon. Je vais tenter une dinguerie. Hein. Et poutre lui. Les cons du gonflant là. Les conflants là. Les fonds qui sont cons. Je ne peux pas déclarer la guerre. Non, s'il faut descendre l'autorité de la couronne, moi je le fais. Non, mais c'est... Tu vois, genre, je vais s'emparer de Roche-Colère. Il me dit que je ne peux pas déclarer cette guerre sans utiliser un hameçon sur Monseigneur Lige en raison des lois du pays. Attends, moi, je descends de 1 à la couronne. J'autorise la couronne, moi, je suis un fou. Tu fais ça, tu vas perdre de l'argent. Oui, alors, bah, c'est l'argent, c'est sûr certain, mais... Qu'est-ce que l'argent par rapport mais... à la guerre? Non, mais il peut faire... tu peux lui fabriquer un hameçon. Ah mais oui, attends, menace de révéler un secret que tu sais chez moi en fait. Tu sais sûrement un secret sur moi, non? Bah, justement, je suis en train potentiellement d'en apprendre. Hein. Ça. Attends, je regarde si ce que j'ai un... On peut pas accorder un absent. Mec a pas compris le principe du truc. Ah si, je peux te faire chanter. Voilà. Je vais chanter. Moi je serais là, non, mais pitié, dites rien, pitié. En plus, un bon secret en plus. Attends, c'est quel secret? Mais il est où le secret? J'arrive pas à le dire. C'est sûr. Sur le lignage d'un de tes enfants. Voilà, oui, dans pitié, dites rien. Alors. Du j'espère, coup. J'espère que le hameçon faible suffit par contre. Parce que tout au moment il faut un fort. Je vais te dire ça. J'espère. Et, on les entend, je vais avoir un mariage. Hein. Je me repose, les gars. Attends. Ça, je peux pas de... ah, il faut un hameçon fort, c'est ça. J'ai l'impression. Ouais, c'est un hameçon fort qu'il faut. Non, mais moi je descends de 1 autorité de couronne. Écoutez. Et c'est que un hameçon faible que j'ai. Oh. Oui. Je peux vous empêcher de faire la guerre, loin de là. Au contraire. Ouais, non. Si tu peux pas juste renégocier le contrat ducal juste avec lui? C'est moins con que baisser le niveau de la couronne. Peut-être. Ah. Les tours. Je pensais à tourbillon. Parce que là, moi, je serais content, je gagnerais de l'argent, mais sur le long terme, c'est pas bon pour notre roi. C'est pas bon pour les 7 royaumes. Mais ça met un peu de piment. Il veut de la guerre, le roi. Il en peut plus. C'est qui l'ordre d'un grand mariage? Il y a un continent juste en face, hein, dans le pire des cas.
Oui, mais j'ai pas de revendication, c'est assez chiant pour faire les revendications. Ah, c'est vers chez moi, ça. Est-ce que je veux au grand mariage? Ah, mais c'est le retour, là. Voilà. Allez. Allons-y. Est-ce que je peux pas faire un petit détour pour récupérer un truc? Les tours trop grands. Du coup... Torne. Révocation de site protégé. Déclaration de guerre autorisée. Ah, levée féodale aucune. Ok. Ouais, mais je peux toujours m'allier avec toi. Écoutez, tu préfères avoir un petit peu de levée féodale et zéro impôt ou l'inverse? C'est toi qui décides. Je te laisse. Attends, on m'embrouille sur le chemin là. C'est bon, je vais péter la gueule. Ah. Alors, l'inverse. Pour ça, tu as plus d'argent. Mais. Ah, magistrat. Pas encore mort. Ce qui, pour le coup, peut t'arranger. Plus d'armée pour moi et moins pour toi. Donc, arrêtez, tout le monde me parle. Arrêtez! J'entends des gens qui me parlent partout. Merde. Mais... Où est la négociation là? Merde, elle est où, Jay? Ah, mais t'es tu faisais un Palatina chez moi. Qu'est-ce que Palatina? Hein? C'est quoi ça? Ça augmente ton prestige, ça lui donne plus de poids politique. Ah ouais, Astarion, t'as rien. Tiens. Droit au conseil, tu peux exiger un poste au conseil. Non, surtout pas. Frapper de nouvelles pièces, surtout. Ça va, mec? Tu peux déclarer la guerre du coup, cher. Mais du coup, le nord, devinez quoi? Attends, je. Okay. Moi, je suis content. Moi, non, laissez mon contrat comme ça, moi je suis content. Hein. Ah bon? Arrêtez de. Oui, non, ça va. Ils sont vachement hauts pourtant, ces impôts et ces. Ouais, ils sont d'accord. Je suis pas, laissez-moi tranquille. Ouais, bien, excusez-moi, je reviens. Je veux bien pour te protéger, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et tout le reste, laissez tranquille. Ah ouais, vous voulez pas pouvoir déclarer la guerre à quelqu'un? Enfin, je. Ah, mais excusez-moi, tu peux quand même déclarer des guerres à l'interne en fait, ça, c'est une grande question. Moi, je ne veux que faire vos guerres. Voilà, c'est. Je ne suis intéressé que par vos guerres, monsieur. Dites-moi où est-ce que je dois tirer et je tirerai. Attention, je dépose. Il y a beaucoup d'épidémies. Comme ça. Et bah, les gens d'aller. Oula. Je me suis de nouveau pas arrêté au mariage. Ah, si. Mais non, je me suis pas arrêté au mariage de nouveau. Contribution en impôt en vassal plus 10%. Vous attendez les invités? Non, mais je les attends pas, là, je suis passé à côté. Ah merde, il me demande un duel, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, fais voir. Oh. Déclarer la guerre, comment on fait? Là, ouais, je suis pas sûr que tu puisses quand même. Merde, là, il me propose plus. Attends, voyage. Combat contre un lynx, oula. Oh l'enfer. Ma belle soleil, je sais pas qui c'est, ce chevalier mérite mon aide. Bon, on va tenter ça, hein. Bon, bah j'ai été blessé, super. Ah bah, au moins t'as pas sauté sur un caillou. Non. Pour pouvoir tacler à la gorge, mon papa. Attends, pourquoi maintenant j'ai 5... J'ai gagné un... Ah, c'est l'éclat. J'ai récupéré... Ok. Good. Alors, je vais voir militaire.
Le confluent. Grande seigneurie du bras cassé. Ah, mais c'est lui qui me fait chier en plus pour ça. Ok, ça vaut peut-être le coup de lui faire les guerres. Alors, comment je fais? Je n'en trouve plus. Tu vivres un enfant. Oh non, ah, oh non. Qui c'est qui est mort? Oh, Deniris, oh ma fille. Oh non. Oh non. Oh, oh, oh là là, attendez. Décision, là. Comment vous savez? Oh non, bébé. Voilà, des funérailles, là, tout de suite. Oui. Oh non, les funérailles royales là, qui arrivent. Ah, ah héritage, oui. La dynastie disponible. Il faut enterrer cette pauvre... Oh non. Ah, je peux faire un... Un enterrement pour Robérine aussi, mais qu'elle est sur la foutre. Bah, c'est mon oncle seulement, c'est bon. Ah, c'est pas faux. Ah, nous allons pleurer sa perte. Ah, attends, je peux pas... Ah merde, j'ai une infection. Oh non. Attends, traitement. Il y a un lynx au milieu de Port-Réal, visiblement. Oui, moi aussi, j'ai été attaqué par un lynx et c'est pour ça que je suis à moitié en train de canner. Moi, j'ai envie que quelqu'un d'autre le taper, mais... Donc, quand même, un lynx au milieu de Port-Réal, merci, quoi. Par quoi, le marché? On pouvait pas faire des... Merde, comment on appelle ça? Funérailles. Oh, terrible, Daenerys, terrible. Alors là, je veux bien faire des... Ah, c'est mes funérailles qui planifient. Vous êtes invité, hein? Ouais. Où ça? Je sais pas. Je vais même pas, en fait. Non, je suis pas invité. Non. Ah ouais? Je suis déjà quelque part, malheureusement. Ah voilà! Vous trouvez donc que la mort de la fille du roi n'est pas... Vous ne voulez pas venir à Montréal, c'est ça? Préférez vos petites j'ai pas reçu l'invitation. Là, je vais me faire démarrer, là. J'ai pas reçu l'invitation, par contre. Je crois que vous êtes trop loin, en fait, c'est pour ça. Maintenant, c'est trop tard, je pense, pour lancer l'invitation. Putain, il me propose plus de faire la guerre. Cependant. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il me propose plus de faire la guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh putain, ça coûte cher, ah, mais en fait, oui, t'as oui, je vais te penser, pardon, en fait. Tu peux arrêter à tout moment. Ma bad. On va arrêter, ouais. Désolé, hein, si j'ai vu le budget. Mais non, c'est vrai que ça coûte super cher. Mais pourquoi je peux plus lui déclarer la guerre à seul coup? Bah, cliquez sur l'épreuve là. Hein? Ah, tu crois? Attends, si tu fais la guerre, c'est ça. C'est simple que ça. Ouais, attends. Seigneur Lige. Oui. Voilà. Oui. Alors. Négocier une alliance, influencer, vendre une amitié assassinée, rechercher les espions potentiels. Non, il propose pas de faire la guerre. Bon, bravo. Vous êtes déjà dans une activité. Ah, c'est pour ça. Parce que je suis au mariage de l'autre con. Pour ah ça. Ouais. Donc, il est très difficile. Mais j'avais accepté avant que le drame arrive. 11. Moi je suis arrivé au mariage, je me suis dit c'est qui c'est paysan, puis je suis reparti hein. Entre 11 bah. Ouais toi en plus t'es reparti direct là. Oh non Jamie. Oh non Jamie, décédé d'un arrêt du cœur. Oh non. Non. Oh non, ça y Dorn, est. Vous avez des chevaliers à proposer? Alors là je ne sais pas. Le Nord, vous avez des chevaliers à proposer? Des enfants Ils méritent de ne pas, pas se reproduire. Attends, je prends des randoms. Chevalier. Moi, je prends volontiers des randoms, hein, vous savez. Mais d'ailleurs, lui, chevalier, je peux pas le mettre en... Je prends lui, là. Il est marié, chier. Mm. J'ai pas d'enfant qui est pas marié et que... Le digne Aenys peut être nommé chevalier de la dignité. Que... 57% de chance de tuer le magistrat. Allez-y. Rhaenyra se bagarre avec sa rivale. Ah, ma femme qui se bagarre avec mon amante, terrible.
Et le mec il laisse faire. Oh, je n'étais pas au courant. Cet énorme chacal. Je n'étais pas au courant, je n'ai point vu. Quelle énorme merde. Les fiancés peuvent se marier. Lord Trémont le conflant. Ouh. Ouh. Qui ouf. C'est excitant. Bah. J'ai formé une alliance avec le conflant, tiens. T'as formé une alliance avec le conflant? Visiblement, ouais. Bâtardné. Ah non. Ça m'arrange pas. Écoutez, je n'ai pas participé à votre petite guerre de toute façon, je ne me mêle pas de... C'est qui? Votre petite fille, ah c'est... Ah mais c'est qui? C'est Brandon. C'est à qui? Un Brandon. C'est qui Brandon? Cousin. Ah, perdez l'ambition et devenez zélé, oui. Faire un discours pour les gouverner tous, quoi? C'est pas marqué ça. Quoi? Oui. C'est marqué autre chose, c'est mieux. One ring. To rule them all. Bon, du coup, j'ai toujours un trou dans mes chevaliers, maintenant. Vous pouvez débloquer un chevalier. J'ai les Starkariens adopté la Dornienne salée. Attends, elle peut commencer ça, elle a débloqué le mode martialité, ce gosse bordage. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Mon gosse là, pourquoi il vient dormir là? Dans la sphère. Tuteur, on va dire. Oui. Saloperie. Il est riche en plus, tiens. C'est un meurtre là, il est arrivé. T'as pas une femme, lui, par hasard? Ah, tiens, une femme poulet, jute à poulet. Hop là, assassiné. Oh non! Je suis sûr il va le faire en plus. Non, on a trop risqué. J'ai trop à perdre. J'ai plus à perdre qu'à gagner dans cette connerie. Alors par contre, j'ai perdu un conseiller. Hein. Oh non. Non, pas. Chose bonne. Excusez-moi. Merde, Arbou. J'ai un petit-fils qui a pas de... Un espion dévoile un secret. D'accord, ok. Jetez-le en prison. Écoute. Ah, ma femme, vous avez une terrible balafre au milieu du visage. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça fait bruit avec vous êtes battu. C'est moi, la porte. Ah bon? Une porte. Oui. Adieu, Daenerys. Putain, t'as gagné un masse de... Il mérite. Oh non. Putain, t'as combien de Daenerys dans ta famille? Ça se reproduit comme des types. Ah, je vois ça. J'ai des cannibales de tous les côtés. Ah, le nord, c'est plus que c'était. Mais t'es hein. Que les... Quoi? Allô? Je disais, le nord, c'est plus que c'était. Ah, le nord. Tu veux nier? Je ne dis rien. Donc, il a emprisonné un rival. Hop. Courtisan, ah, félicitations encore. Hein. Non, le mariage. Ah. Bah. Hop, mon mari est mort. Encore? C'est dingue. Fais un effort. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tiens, je veux juste. Allez. Ah, quand tu te tortures les gens, tu peux les rendre muets. Oh, c'est excellent. Oula. Ça va, mec? Bizarre le nord.
C'est un cannibale. Ah, super chaud, non. Ok. Ah, mon fils héritier, éduque ta soeur, ta petite fille, ta nièce. Bref. Salut, mon. Oh, elle a pas de bonjour. Trilénaire. Oh, la gueule qu'il avait. Putain, il a 28 ans. Putain, il en fait 4. Il en fait 10 fois plus. Ouais, mais il a la lèpre, c'est pour ça. Ils font du complot, ça, genre. Oui. Là, je peux lui déclarer la guerre, par contre. Ah bah voilà. Là, ça me plaît. Alors. Attends, j'ai un mariage. Arrêtez de vous abuser là, faites la guerre. Alors. Pardon. Alors. Merde, comment je. Ah. Alors, déclarer la guerre. Je sens qu'il y a personne à part avec moi, donc c'est bon. Allez. Oh, le bief d'ordre qui va. Oh là là. Oh là là. Alors, fais voir s'il y a qui là dans la guerre. Je pense que pour l'instant, il y a que des alliés. Non, ouais, il y a que nous deux. Alors, attends. Où est. Where is the king? Non, je veux pas déclarer la guerre au roi. Ça doit être pas le meilleur moment. Offrir, non. Non, j'aimerais bien juste. Par contre, j'aimerais bien lui offrir. Lui dire de me rejoindre, mais je peux pas. Ah non, mais vu que je suis sur un T2, je dois te pouvoir. Hein? Vu que je suis le suzerain des deux, je ne pense pas que je puisse rejoindre. Ils sont 13 000 en face, c'est bon, vous êtes 50 000. Écoutez. Ah oui, littéralement en plus. Vous êtes allié au bief. Ah bon? Bah écoutez. Je suis allié avec le bief. Je lis ce que m'a rapporté, mais. Mais c'est vrai que ma fille elle est là-bas. Mais je peux pas lui proposer. Ah si. Kiki. Attends, je vais tenter autre chose. Je vais mettre le pays à feu et à sang pour mes conneries. Hein. Alors, Eddie Carrel, est-ce que vous voulez guerroyer? Bien sûr. Attends. Mais non, ça. C'est ça. Où t'es placé, franchement, je dirais non, mais. Ouais, ouais. Allez, tu peux m'inviter à la guerre au cas où, hein, mais. Oh, non, mais. On va te laisser en dehors de tout ça. Pour l'instant. Moi je vois je bien pense. Les cons du conflant là monter en ordre direct et puis salut ils sont longs. C'est ça. du coup, puis est-ce que je fais pas des armes de Karen. La question c'est où est-ce que je peux lever mes armes. Est-ce que j'ai quand même un point chez eux quoi. J'avoue pourquoi il est fort là, chez eux là. Bah oui. Hop là. Si tu lèves une petite armée vers l'île à conquérir. Tout le reste là-bas. Bah après, attends, je vais voir les. Attends. Le truc de guerre, c'est. Faut que je fasse quoi parce pour gagner. En tout cas, il y a des levées d'armée sur les îles. Bah, c'est sur l'île qui lève l'armée. Ah oui. Ouais, donc limite. Ouais. Limite, ouais. Traverser la moitié du pays, je vais te dire. Je sais pas où est-ce que j'ai un port. Ça me va. Bah, juste à côté, là, non. La ville en pleure. Ouais. On va faire ça. Hein. Tu débarques sur la petite île à côté, pour ça t'as pas le désavantage du débarquement. Alors. Tout lever ici. Tout lever. Allez. Nickel. Bon, comme d'hab, je vais pas avoir l'avantage sur tous les trucs que je fais, ça va être super. Ça va être super. Hein. Attention, je dépose. Ouais, j'ai entendu. T'as peut-être regardé s'il lève des choses chez moi, mais. Ah, j'ai tout levé au même endroit. Mais je pense que ça va être surtout pour ça qu'on va se battre. Ah, il y a un mariage. Ah, c'est Pendaïos, ok. T'es concentré pour Oh. Bien.
Bronze H. Canal 3, un petit peu de bonheur. Guerroyer, bon sang, guerroyer. T'inquiète, ça, ça arrive fort. Pas. Mais du coup, vu qu'en broker maintenant est. Regardez où. Ah, en broker, allez chez le barbier par pitié. Changez vos amis. Oula! Il dit à sa fille. C'est pas ma fille, c'est ma belle-fille. Alors, écoutez, alors mettez des jambières déjà, vous êtes nus. Ouais, dites Steven Wurst. Elle a fait 6 enfants. Pas mal. Ah, mais le bourrepoint dynastique n'est pas des bonnes couleurs, évidemment, vu qu'elle est. Non, Targaryen, terrible. File un petit pantalon là, de couleur noire, et puis m'emmerdez pas. Le petit foulard. Ah, un chapeau de bouffon là. Un bon dos nordique. Ça vous sied à la vie. Bienvenue dans la famille. Comment il dit ça? Bienvenue dans la famille. Hein. Ah, Kenos Lannister, dites donc, attendez-vous là. Enlevez-moi ce casque-ci là. Pas de chez moi. Voilà, regardez-le. J'ai pété un masque facial. J'ai pas enfilé une armure un peu plus de chez moi là. Il a un pourpoint, mon brave. Vous êtes un Lannister, pas un combattant. Magnifique. Bienvenue dans la famille, surtout. Ah, Saria, le soleil rayonnant de Dorne. Vous avez l'air malade. Ouais, bienvenue. Bon, ça va, là. Je suis nul. Venez, mettez un masque. Oh la vache, c'est insultant. Robe dynastique de basse qualité, haute qualité. Haute qualité, on est où ici? Ah, j'ai l'avantage. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ces robes? Pour une fois. Pour une fois que j'ai les avantages sur les combats. On prend. Robe valyrienne, mettez robe valyrienne, ça vous sied à ravir. Pas mettre un petit truc sur la tête là. C'est qui ça? Une meuf chez toi? Ah, en plus c'est ça. Oui mais écoutez je. Oula. Le pilisseur. Pardon. Allez c'est gagné. Allez, défoncez-la, s'il vous plaît. Connaissance Davos est mort, Davos. Ah non. Le seigneur Davos. Ah. Pardon. J'ai littéralement fait faire un duel. Pour un duel judiciaire. Hein. Il y avait deux villes qui voulaient se foutre sur le coin de la gueule. J'ai fait, vous savez quoi? Les dieux en décideront, et les dieux ont décidé. Grand tournoi, ça ne m'intéresse pas, et les gens feront comment ça me compte. Putain, c'est un tournoi, Garen. Ah oui, du travail bien fait, plus 25% pour les combats hostiles. C'est du Pendairis, ok. Ah, Lord Finlay, feu époux de Daenerys. Bah. Vous voulez pas enfiler si vous l'aurez. Je préfère ça. Pour enfiler une petite tenue en hommage des Targaryens.
On te file un pantalon. Traitor. Nigerun d'ailleurs. On pouvait les attaquer. Hein. Là ils sont en fuite stratégique et tactique. Ouais. Ouais, je sais. Mais je me demande quand est-ce qu'ils vont arrêter de fuir. Ah bah voilà. Non. Maintenant. Fais le chien. Ah, vous êtes de la famille, vous aussi. Écoutez, et cette... Rhabillez-vous, par pitié. Les standards ici. C'est quoi le bief? Alors, une armure, peut-être pas, mais... Pourquoi il y a une armée? Ah, c'est tiré. Bon, vous allez arriver après la guerre, hein, gars. Mais c'est gentil d'avoir participé. Pas très étonné de ces cons, ouais. En plus d'être sales, ils sont cons. Ouais. À mon sens, vous faites aller dans les habits qui sont plus dans le mode. Pief à la con, là. T'es une bouffon, bah allez, chier. Ouais, chef, chapeau de bouffon, du coup, avec. Bien malin maintenant. Pas moufté, hein, le con du bief là. Quand je lui dis habite comme un bouffon, il a dit oui, oui. Oui, avec plaisir. Oh, attends, fais voir. Lui, ils sont 2000. Et vous êtes du bief aussi, vous. Biefoise. C'est une pas bonne chose, tiens. Attendez. Enfilez ça. Promenez-vous pénus, hein, allez-y. Vous pouvez appeler à la guerre votre allié Lady Karen. Non, laissons-la en dehors de tout ça. La pauvre, elle est malade. J'ai vu sa tête, elle est malade. Non. Non. Ah. Ah. Wow. Wow. Elle dit de psy. C'est pas gentil. Clap, 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 clap. Oui, 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 oui. Filer une... Ah, attendez. Enfiler dans le... Bon. Vous fuyez vers Accalmie, je sais pas, c'est malin, ça. Ils l'ont pas appris, au cours d'histoire, eux. Cette fameuse bataille. Je crois pas. Tragédie imprévue. Qui ça? Ombre-cœur. Ombre-cœur. Oh non. A été assassiné. Quoi? Ils ont réussi à l'assassiner. Elle était irréprochable, ma fille parfaite. J'ai. Oh, qui quelqu'un a tué ma oui. fille. Oh. Écoutez. Oh. Je vais vous demander. Oh. Alors. Je vous rassure. L'acte de tyrannie va avoir lieu là. Non, non. Ah si. Il n'était que un observateur. C'est vrai ce mensonge? Oui, c'est vrai. Il n'était là que pour voir s'il trouvait pas des petits secrets. C'est vrai, tu es vrai ce mensonge? Ah oui, ça je vous l'assure. Bon. Je n'ai pas nommé un garde royal et chevalier à un homme qui a tué... Non, non. J'ai ordonné aucun assassinat. Pour refaire cette alliance, bien sûr. Les seuls assassinats que j'ai organisés, c'était pour vous d'ailleurs. Mmh. Non, mais. Veux-tu, hein? Ah oui, j'en suis sûr et je vous le jure. Mmh. Je peux vous le jurer sur la tête de mon ancêtre. Mmh. Alors. Alors. J'en bien pantalon bouffon. C'est mesquin. Cap. Oh non. Mon enfant. C'est le karma, ça. Pitié. Patin. Il a dit ça sans réfléchir, quoi. C'est karma, ça. Alors fusionnez les armées.
Oh, je vais tellement plus avoir un rond. Ça va être super. Voilà. It's a trap! Oh là là, terrible. Attendez, j'ai reçu plein de trucs. Ma maison! Collector! Du coup. Allez, on accepte. Bon voilà, du coup, j'ai gagné un titre maintenant. Je sais pas d'où il sort, héritier non marié. Bah tiens. Ah bah oui. Ouais, du coup, il est pas marié. Hein. Ouais. C'est super, hein. Et je. Non mais. Pitié. C'est vraiment, je. Je te l'assure. Mon ami. Je n'ai ordonné aucun assassinat. Bon sang, c'était Lady Ombrecoeur. Bah justement, Lady Ombrecoeur, j'avais un énorme respect pour elle. Pareil pour Daenerys, j'ai élevé une Daenerys en plus. Jamais je n'aurais osé. Enfin. Enfin. Ah mais c'est mon héritier, attends, faut que je trouve quelqu'un qui a beaucoup de... Bah, voilà. Putain, ça me coûte cher, je suis à moins 351 là, Par contre, quelle est cette propriété qui sort du parc que j'ai gagné? C'était quoi? Grande Seigneurie de Pique. C'est quoi ça? Ah, Pique, c'est le... C'est les îles de fer. Bah non, ça tu l'avais déjà, non? J'avais déjà. Est-ce que... Bah je crois. Qu'est-ce que il semblait que tu l'avais déjà. Estival, pic, historique. Bah ouais. Ah. Ah bah non, bah. Ah. Ah. Boréal, Père Dragon. C'est le titre habituel. Qu'est-ce qui coince? Province des quartiers dorés. Ah. Ah oui. Votre fils, neveu et chevalier. Bon. Du quartier doré. Commandant des motos d'or. Héritier. Ah non. Ah si, ce serait classe, mais non. Si, ce serait classe en fait. Ah non, il doit pas être marié par contre. Bon. Oh, bravo. Ah si, il pouvait se marier. Putain, j'aurais pu mettre ton fils. Chier. Les enfants ont besoin de tuteurs. Oui. Salut, ça va? Bah ouais, ça va bien. Bah ouais, ça va bien. Et qui toi? Que fais-tu de ta vie, toi? Une guerrière. Et toi, là? En plus, je crois que j'ai une épidémie chez moi. Ouais. Oh. Ah non, j'aurais pu lui dire de... Ah. Faire. Non mais. Ouais. Putain, j'ai plus un rond. Ça coûte cher, l'assassinat. Non. Les gars. Putain, c'est pas fini. Lui dit de faire la guerre pour récupérer des territoires et lui, derrière. C'est faux. Il trahit ses deux seuls alliés sur qui il peut faire entièrement confiance. Je peux prouver qu'il n'y est pour rien. Je peux le prouver. Je veux dire... Un peu de soucis, hein. Sur ses souvenirs, il n'a jamais assassiné qui que ce soit. Ouais, mais après, il a peut-être plusieurs personnalités. Oh... Obligé d'aller organiser des enterrements à Winterfell maintenant. Ah, Winterfell? Ouais. Je
peut-être pas. Waouh, la vache. Ouais, tu l'as mourir. Fini, t'as des jambes en fait. Je vais peut-être mourir sur. Ah non, toujours pas. Je vais peut-être mourir sur le chemin, donc non. Bon breaker, sorry, not sorry, mais. Oh la vache. Ouais, je pense que tu peux l'arrêter en fait. Non, je pas mal. Oh. Donc, il y a une guerre que je dois rejoindre. Bonsoir. Vous avez rien demandé, moi, libérer des prisonniers là. Hein? Mais pourquoi est-ce que je suis son. Notre alliance? Pourquoi je suis allié à ce mec là au nom de quoi? Pas de faire probablement déjà. Ah ouais, ouais, c'est ça. Des aventuriers pirates qui attaquent un de tes vassals. Donc on accepte, hein. De toute façon. Pourquoi ils sont passés à 51%? Ouais. De toute façon, on a bien compris qu'on allait pas avoir le droit à la richesse. Déplacer pour le ralliement, je peux te déplacer jusqu'où? Bon, ça par contre c'est fou, je peux le déplacer jusque là. Mais oui. Mais oui, il est là le point de ralliement. Allez, tout levé, boum. On va passer de plus 9 à moins 10. Je pourrais ramener un territoire pour nous là, dans le temps de fer en plus. Ah, mets-le, prends-le. C'est quoi comme. Ah, déjà, je peux prendre l'ultime refuge qui, pour des raisons obscures, pas chez nous. Alors, il me semble que Magnus vient de lever ses troupes dessus. Merde, il est où? Ah, vassalisation forcée, hey. Mais. Et t'as trop chanté. Putain, j'arrive pas à choper mes armées là, c'est quoi ce bordel? Tu me refuges pourtant, c'est pas. J'ai une revendication de. Je vais faire ça. Je suis Je vais être bien pauvre. Hein. Bon, écoutez, je vais faire cette guerre de con. Mettez. C'est vos îles, vous les reprenez de droit, c'est mérite. Ah, ouais. Bon, 500. Ah oui, bon, 800. Ah oui. Ouais, écoutez, prenez ces quelques pièces déjà là, même si vous avez pu assassiner quelqu'un. Oh. Alors merci, et je tiens à répéter, je suis innocent. Super bien, ouais. Seigneur. Mon broker, voyons. Quand même. Mais voyons, Seigneur. J'ai que Dame Char, c'est pas le meilleur des trucs, quand même. Il mélange tout. Je te jure. Ouais, du coup, ouais, cette petite cité là, elle est pas chez nous. Ouais. Ça va pas durer longtemps. Ah, tu prends, tu vas à Lys. En fait, il y a une petite île là qui devrait être à nous, mais qui n'est pas à nous. Oh. Ok. Et que bizarrement, mon point de ralliement est déjà à côté. Une guerre précédente, ouais. Donc je vais te dire. Moi aussi, je vais faire la guerre. Ah oui. J'ai pas l'envie qui manque, mais bon, je ne peux rejoindre. Bah tiens, encore une fois. Non mais... je suis... Oui. Ça commence à faire beaucoup, là. Où sont les poulards? J'ai faim. Et puis c'est en guerre contre qui, en fait? J'ai cliqué quoi? Bon, pas d'accord. Ah, je... Vite, le replay, vite. J'ai cliqué sur quoi, sur où, pourquoi? Non, tu les as fait tout ça par YouTube, non? Oui, j'ai cliqué sur autre chose, sur une notification qui arrivait en même temps que j'ai cliqué n'importe où. Ah merde. Ah, c'est peut-être embêtant. Ouais. Attention. Alors. Ah, je crois que j'ai juste envoyé chez quelqu'un qui venait donner de l'argent. Ah merde. Dommage. Mon armée, elle est. Énorme! Comme la boule de l'oreille. Ah. Bah.
Allô. Quoi? Ah oui, mais ils sont gars contre notre pirate, Lys. Chez. Contre Tiroche. Le double chez. Il faut que je disperse son armée pour pouvoir rejoindre une autre guerre. Oui, mais là, ça devrait plus que bien se passer. Ok, donc en fait... Tu peux rejoindre pour la forme, mais... Et je serai toi, ouais, voilà.